Coucou tout le monde! Bienvenue pour ce petit live sauvage sur Horizon Zero Dawn. J'espère que vous allez bien. Donc on va cet après-midi, j'avais envie un peu de jouer avant qu'on joue ce soir. On jouera à The Sinking City, hein. Comme d'habitude. Enfin, comme d'habitude, comme on essaye de faire le vendredi. Mais cet après-midi, j'ai décidé qu'on allait faire plein de petites quéquettes là dans... Dans Horizon Zero Dawn, parce que je sais pas si vous vous rappelez le live de lundi, je crois. On avait trouvé plein de petites quéquettes à faire, donc je pense qu'on va les continuer. Coucou Xian, ouais bah tu peux lurker, y a pas de souci. Y a pas de souci, de toute façon, après je sais, je viendrai lurker chez toi aussi, donc Attends, je suis encore en train de régler un truc là. Bon, on va commencer, puis tant pis pour la tablette. Hop, coucou petit chat. Non mais reviens petit chat. Bon bref, on va continuer. Et ouais, donc on a plein de petites quéquettes à faire. Donc on va faire des petites quéquettes. Et on a un grand coup qui est pas loin, qu'on pourra aussi aller activer tout à l'heure durant le game. Là, ça ronfle sec dans le panier à côté de moi. Oh bah oui, oulala. Ah, les temps de chargement. Alors, on va retourner ici. Ça, je pense que c'est... Ça, je sais plus ce que c'est. C'est, ouais, pour l'armure antique. Donc, nous, on va retourner ici. Alors, j'ai un canasson. Ah oui, j'ai un canasson qui est quelque part. T'es où mon canasson? Hop là! Je capte un autre signal. Mais on ira voir après le grand coup. Allez, t'as du mal le canasson. Non, c'est pas lui que je voulais voir. Elle est où? Ah oui, non. Elle est plus bas, elle est où? Non, mais... Allez, là, elle est cachée. Te revoilà. J'ai déjà fouillé toutes ces cachettes, mais je n'y ai trouvé que des éclats. C'est bizarre. Qui aurait pu prendre le Soul Reaver? Peut-être que June en a rapporté d'autres. Tu peux lui demander si tu veux bien faire le trajet. Tu disais qu'un certain June aurait du Soul Reaver? Oui. Il vit en ermite, mais il aide la tribu en ramassant des plantes et en préparant des remèdes. Il habite à l'ouest de la couronne de la mer. Et les machines de cette région sont terribles. Quel genre de machine? Charognard et dents de scie. C'est très dangereux. Je dois m'en aller.
Au revoir. Alors... Trouver June, il est où? Il est à Perpète-les-Oies. Qu'est-ce qu'on a comme petite quête? Zone de chasse, on en a déjà fait une. Le camp de bandits, il est où? Alors attends. Donc ça se met en route, parler à Neil. Il est là. Oh, on va aller au grand coup. On va faire les... on va aller faire le grand coup. Allez, on va faire le grand coup. Mon canasson. Oh là là. Je vois la vidéo de la chef de Garcena était partie traquer les tueurs de l'éclosion. Je devrais essayer de la retrouver. Mais non, ramasse-moi la canne. Bon, elle va crever. Le grand coup, il est où? Il est là-bas. Encore un signal. L'abruti. Non, ça c'est bon, ça c'est mon canasson. Oh là là. Ah, putain. Merde! Merci Houston! C'est le camp découvert, où ça? Mais il pleut sans arrêt dans le jeu. Il doit être par là. Il pleut sans arrêt, quoi. C'est hyper relou, quoi. J'ai jamais du beau temps. Oh, petit chat. Alors là, j'ai... Exactement comme Rost l'avait décrit. Un signal va venir de sa tête. Je dois grimper là-haut. Allez, approche-toi, le petit veilleur, là. Je vais te défoncer ta gueule. Et boum. En fait.
aiguille. De lapin. Il est où? Je devrais pouvoir sauter sur ce grand coude ici. Tu crois? Ouais, il faut que je monte. Ah, parce que là, je suis trop bas. Et que s'il passe là et qu'il a des prises. Là. Okay. Il faut que je grimpe sur sa tête. Hop. Oh, aiguille! Désolée, ça sera pas long. Donc le grand coup se souvient de tout ce qu'il croise et envoie les infos aux autres machines. La carte se découvre. Ouh là là. Yo. Oh bah dis donc. Oh bah dis donc. Oh bah dis donc, il y en a des choses. Aiguille. Chou, moi je suis là. Ouh là là, il y en a des choses. Soif du démon, qu'est-ce que c'est que ça? Ça c'est le camp de pillard. Ah bah on va aller, c'est la quête Sona ça. Alors j'ai vu que... alors quelle quête? Donc ça c'est fait. On va peut-être aller faire le camp de bandit, on va gagner. Niveau 7, attends, niveau 7 il y avait quoi? Après c'est niveau 16. Ah mais ça c'est, il est loin. On va aller faire le petit machin carnet. Les corrupteurs, les grands coups. Ah, ils sont tellement cool, punaise. Inventaire, ressources. Compétences, youhou. Alors. Visée en équilibre, profil bas. Ok, gros bras. Non, 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 j'aime pas trop. De toute façon, après, j'ai plus qu'une compétence, donc je peux rien prendre parce que tout fait deux compétences. Voilà. Et quête, pourquoi une machine? Quête annexe. Non, alors là, on avait dit qu'on voulait aller faire le camp de bandits.
Oh non, mais Sona, elle est trop près. Non, on va aller faire Sona. Elle est plus près. Quiète. Bah, j'ai repris un point de quiquette ? Non. Non, c'est ça, j'ai toujours pas une compétence. C'est sûrement la côte dont le messager de Sona a parlé. Mais non! Il n'a plus peur, tout devient blanc. Voilà. La chef de guerre s'est arrêtée là. Où est-ce qu'elle est allée ensuite? Ce vieil arc a connu bien des combats. Personne ne l'aurait abandonné volontairement. Sona a subi des pertes. Ouais, je voulais regarder ça. Hop. Ah ah. Voilà. Et tenue. Hop, me dit j'ai plein de trucs. C'est... Je voulais regarder un autre truc artisanat, oui. Aiguille de Dieu. Tiens, tant qu'à faire. Allez, hop, hop. On est full. Et voilà. Oh, mais hé hey. Non, mais je vous jure, j'ai des chats... Des fragments de flèches. Ils ont dû prendre le temps de se reposer. Ça n'a pas dû être facile de continuer après l'embuscade. Les braves fabriquaient des munitions ici. Bandages. Le messager n'était pas le seul à être blessé. Une piste de sang, peut-être. Je vais la scanner avec mon focus. Qu'est-ce qui fait du Les bruit traces de pas et du sang. On dirait que Sona et ses braves se sont dirigés vers cette saillie. Oui, il y a des sacrées traces de sang quand même. Oh putain. C'est quoi qu'il y a là? Oula, je me dis, il y a un gros truc là-bas. Ah putain!
putain. On dirait que cette machine transporte un fluide dans ses poches, mais je veux pas savoir lequel. Il va crever, c'est Bibi. Putain. J'arrive pas à comprendre, c'est du feu qui... Pulvérisé. Bon, bah j'aurais tenu 23 minutes sans pas crever. Un Dantzi mort. De la main de Sona, peut-être. Elle est sûrement tout près. Pas de la chance que je sois passé. Une seconde de plus et ce Dantzi t'aurait complètement déchiqueté. Ou pas. Une seconde de plus et c'était moi qui le tuais. C'est toi, la chef Sona? Varl m'envoie te trouver. Il garde bien la porte? Avec courage, oui. Je l'ai même vu abattre une machine corrompue. Mais il s'inquiète pour toi. Mais tellement... On a besoin de force, pas de sentiments. J'ai retrouvé certains des tueurs de l'éclosion. J'ai besoin de vengeance. Aiguille. Et toi? Tu n'as même pas idée. Prouve-le-moi, en combattant avec nous. Suis-moi. Ça
C'est la maman de Varl. Les tueurs sont derrière cette saillie. Ils creusent le sol maudit. Le péché des anciens est enfoui dans cette terre. Des démons corrupteurs. Je les connais. J'en ai eu un au gué de la mer. Si tu me dis, voyons si tu seras à la hauteur. Hop. Toujours moins bien un petit point de sauvegarde. Oh, Houston. Vraiment. Bah dis donc, il y a du renard là. Ça fait des heures que mes braves se cachent dans les arbres en contrebas. À mon signal, ils attaqueront. L'ennemi et ses machines démoniaques sont plus nombreux, mais nous pouvons compter sur notre colère. On pourrait avoir mieux que ça. J'écoute. De la flambée. On l'utilise pour brûler, eux pour faire exploser. C'est de là que vient cette fosse. Alors on l'enflamme et ensuite... Boum. Alors c'est parti. Wow, wow. Attendez, pas trop vite. Je vais essayer d'approcher discrètement. Si jamais je me fais repérer, attaquez. D'accord. Prouve-nous ce que tu sais faire. Elle est où la flambée ? C'est chaud là quand même. Là je descends, il y a de la charognarde. Je pense que... On va essayer un truc. Je peux les voir, mais pas eux. De se faire massacrer. Regardez. Faut que j'éclate le veilleur là.
Bon. Bien tenté, mais... Dommage, j'étais contente de ma petite... Je peux pas tirer là, j'aurais dû prendre cette option là tout à l'heure, j'ai hésité. J'aurais peut-être dû. J'en suis où là, nanana. Allez, on va retester ce qu'on a fait. Quelqu'un peut aller voir là-haut? Cache-toi. Allez, viens, trou de balle, je vais te désinguer ta gueule. Oh putain. Ça va faire du bruit. Oh, bah. Oh putain, je les vois pas, ils sont où? Pas me faire chier, je vais tirer dans la flambée, puis voilà. Hein. S'il n'y a pas encore un autre passage. Quelle que soit la situation, bourriner, c'est la solution. Un traditionnel. Mais non, mais moi j'aime bien y aller discretos, j'aime bien. Finissons-en. Bon bah. Mais putain!
va mourir de Dieu. Bientôt plus avoir de flèches, moi, à ce rythme. Meurs. Bon, t'as raison, hein, de toute façon, quelle que soit la situation, bourriner, c'est la solution, hein. Il reste encore des tueurs. J'en avais compté beaucoup plus pendant le massacre. Si je dois poursuivre leur ombre perverse jusqu'à la pointe de lance, je le ferai. Tu saignes. Tu es blessé. Ma santé ne te concerne pas. Nul ne doute de ta détermination. Mais tu dois te soigner. Elle a raison, chef Sona. Laisse tes blessures se refermer. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi ? Parle ! Mais qu'est-ce que tu fais là ? Je t'avais dit de garder cette porte au péril de ta vie. C'est ce que j'ai fait. Jusqu'à ce que ton messager ne revienne m'expliquer sa rencontre avec Aloy et où tu te trouvais. La porte est bien protégée. Ma place est ici. Avec toi. Avec notre vengeance. Je ne l'ai pas méritée. Ce serait bien si je pouvais examiner les lieux. J'arriverai peut-être... Fais ce que tu veux. Mère... Des explosions accidentelles de flambées ont tué de nombreux hommes. Ici, à l'anneau de métal, j'ai pris la précaution de placer tout notre stock de flambées en sécurité. À l'abri des étincelles et de la lumière. J'ai posté des gardes pour contrôler l'accès. Je vous conseille de prendre des mesures similaires. Vous en subirez les conséquences. Le responsable du ravitaillement. Terminé. Une réserve de flambées dans leur base. Si on sabote ça, on gagne la bataille. Alors, attends. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Hop. Hop. C'était pas mal, mon petit glacier, là, comme je l'aurais gelé le cul tout à l'heure. Haha. Un peu des plantes qui traînent, ouais. Je fais des réserves. Ouais, carrément. Ce serait pas mal. Y'a pas un feu de camp qui traîne en plus ? Non, mais tu crains. J'ai quelque chose. Le reste des tueurs campent à l'intérieur d'un anneau de métal. Est-ce que ça te dit quelque chose ? Bon sang. L'anneau de métal se trouve dans les ruines du deuil du démon. Cet endroit est tabou. Je vais retourner voir les matriarches, leur demander un passe-droit. On n'a pas assez de temps pour ça. Comme toujours, le sang appelle le sang. Si le sol est maudit, que notre vengeance le sanctifie. Quel blasphème ! Je vous en prie, chef Sona, il faut briser les tabous. Le deuil du démon est un lieu maudit.
Piste nos ennemis, trouve-les. Mais garde tes flèches, nous nous retrouverons dans cet endroit atroce. Ça a l'air d'un bon plan. À l'œil. Merci. Tu ne seras plus si reconnaissant quand tu verras dans quoi je nous... Récompense de quête. Well. Alors. Vengeance des Nora. Ok, alors. On va loin. Est-ce qu'il n'y a pas de la petite quéquette un peu plus proche? Alors, la principale, Vengeance des Nora. Une chercheuse. Ça, c'est quête principale, quête annexe. Résultat. Ouais, mais il est loin aussi, putain, l'ermite là. Sauf du démon. Bon, écoute, on va aller là-bas. Parler à Nils. Oh, mais le camp, on va passer devant. Bon, c'est pas grave, on va y aller. Hop. Doucement. Il y a de l'orbite, mais il n'y a pas de machine. Il y a du dindon. J'ai envie de faire pipi. Je vous laisse, je vous mets pause 2 minutes, je vais faire un petit pipi. Me revoilou. Allez. On va suivre le chemin. Parti. Hop. Varl a parlé d'un camp de bandits dans des ruines de métal. Ça doit être cet endroit. Je ferais mieux d'être prudente. Ouais, mais on va aller parler à Nils. Et de l'autre côté. Mais pourquoi il pleut tout le temps dans le jeu, putain? Mais j'ai pas souvenir qu'il pleuvait tout le temps. Ça me saoule. C'est limite de la neige là qui me tombe sur la gueule là.
Et de l'autre côté, l'abruti là-bas. Je vais garder ça pour la route. Il pleut. Peu importe, je suis presque étanche. De l'autre côté, l'abruti. J'ai oublié de faire un détour de la mort là. Au froid là. Il y a peut-être un problème. Mais il est où l'autre mongol là? Je t'entends, tu sais. Enfin, je crois. Ben oui, il y en avait un par là, putain. Je saurais quoi en faire.
Réceptacle antique. Les jolies tasses. Content de te voir. Ah oui? On a un intérêt commun. Regarde, les vieux rochers. Une bande de bandits est cachée dessous. On bouge les rochers et ils se mettent à courir en tous sens. Des bandits. Les Noras ont de gros ennuis. Et les nouvelles vont vite, tu sais. Quand il n'y a pas de braves pour garder les frontières, on les a traqués pendant des jours avec mon associé. Excellent pisteur. Mais il a voulu partir sans moi. Mais bon, je comprends. À trop patient. Je ne te connais pas. Et je ne te fais pas confiance. Ah, la confiance. Je ne suis qu'un voyageur. Avec un arc qui se soucie de la... Je sais pas pourquoi j'ai du mal à te croire. Bon, laisse-moi... Bien sûr. Alors, tu n'as rien à craindre. J'accepte. Il faut bien que... Ça sera à nous. Je te propose de passer devant. J'ai... C'est l'alarme. Mais pourquoi on voit Laisse-les rien? Laisse-les faire, ça attirera les renforts. Une bonne chose. Ouais, pas spécialement. Et si tu sens l'âme héroïque que tu veux faire du zèle, il y a les prisonniers. Ça m'écorche. J'ai promis de rejoindre Varlesona près des échos rouges. Vengeance des Noras, ouais, enfin... Un tire-bouchon, cure-dent antique. Oh bah lui, il va se faire faire sa fête ici. On a un intrus planté dans les parages, on doit le trouver. Si on a qui arrive par là.
ça, y a personne. Mais lui, j'ai peur qu'il me machine. Merde, non. Voilà l'alarme. Je vais la surveiller. Allez, viens là, petit piou-piou-piou. Ramène ton cul. Oubliez-moi. On a une victime par ici. Probablement morte. Merde. Il y a un cadavre ici. Tu ne m'échapperas plus. C'est pas ça l'alarme? J'en avais besoin. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu pouvais pas s'en servir. Oh.
suis pas là. Sont prisonniers. Laissez-moi vous ouvrir. La traque est finie. Maintenant, je m'en vais. Voilà. Vous êtes prêts à filer ? Non, ils sont où les derniers les derniers relous là. Voilà, un camp libéré. Chercheuse, puis-je vous parler ? Elle est partie par là. Qu'est-ce que t'as, le marchand ? Qu'est-ce que tu me proposes ? Carte des fleurs, statue de panneau. Et cool. On va prendre. Alors. On peut ramasser normalement notre lance-câble, je crois.
Je crois qu'on peut, au bout d'un moment, on peut. Hop. Alors, hop, voilà. Sauvegarder. Parler à Neil, il est où ? On ne sait même pas pour quelle raison. Il est où le Nilou ? Chercheuse, vous abaisseriez-vous à parler avec moi ? Quel honneur ! Qu'est-ce qu'il a, lui ? Tout va bien. Tu as... Oui. Mes amis et moi, ils nous volaient sans arrêt. Ils nous pourchassaient la nuit. D'où est-ce que vous venez tous ? Certains errent sur les terres sacrées depuis des années. Quand je regrette... Ouais, et ? Comment avez-vous pu vous retrouver ? Vous ne comprenez pas qu'on parle entre nous alors que la loi l'interdit. Ce n'était pas une critique. Désolé. Pas bête comme raisonnement. Mais pourquoi... J'ai été bête. Je me dispute, j'ai eu un coup de... Tu ne ressembles pas... Merci, j'espère. On est tous des parents. Est-ce qu'on peut rester... Bien sûr. Oh. Pardon. Ah putain, ça c'est bien. Ah ah ah, j'ai les cartes. Hé hé hé. Oh la grosse finesse que je suis kiff là. Neil, alors, il est retourné sur son caillou là-bas. Ouhou. Ah oui, c'est ça que je voulais regarder. Inventaire, boîte à trésors, des éclats. Ouhou. Ouais, plein de trucs. Putain, ça c'est trop bon les cartes. Putain, je me souvenais pas dans le premier, on avait pas, je devais pas quasiment pas parler au marchand la première fois que j'ai fait le jeu, donc résultat, trop bon. Ah, oh, c'est bien pour la finesse que je suis. Enfin. C'est agréable, tu trouves pas ? Non, j'ai pas trouvé. Ils l'ont tué. On en avait parlé pourtant, mais c'est pas grave. Oui, pourquoi ? Tu n'es pas qu'un... Un voyageur, la pointe de la... Une quête spirituelle. Tu n'as jamais pour... Ah, oh, les machins. Des bandits... Ils nous font du... Donc... Oh non, je vais pas... On tue quelqu'un... Mais les... Il est bizarre ce gars. On est debout. On a terminé. Oui, tu ne vas pas laisser... Peut-être. Et même si je ne... Mon petit caca, t'as donc fini. Ça se pourrait monter de niveau. Non. Alors, au niveau des kékettes. Oh, les zones de chasse, j'aime pas. Enfin, j'aime pas. C'est pas le truc qui me fait le plus kiffer. Tâche en cours, partie de chasse. Niap. Bon, bah, on va continuer à faire ça. Ah ouais, mais il a péta Ouchnok, l'ancien, c'est ça, là, l'ermite. Bon, c'est pas grave, on va y aller. Ah, il est loin, c'est pas grave, on va y aller. Allez. Ah bah si, on a atteint... C'est un peu long, réaction. Ah, grâce, santé max. Et un PTT de compétences. Tout à l'heure ça m'a manqué ça, mais je préfère ça. Oh non, j'ai plus de canne à son. Tata, un peu de canne derrière. Ouais, qu'est-ce qu'il me regarde? Oula, dis donc. Oula.
Il pleut, l'air est moins lourd. Ah, des galopeurs. Oh, si on pouvait en pirater un, ce serait cool. Ça nous permettrait d'essayer d'aller voir... C'est plutôt pas mal. Allez, dans l'arrière-train, le piratage. Lumière rouge. Allez, viens là, mon petit canasson. Merde, j'aurais voulu monter le sanglier. Là-bas, c'est cool. Alors, le feu de camp, il est où? Attends, t'arrêtes le canasson, là. Le feu de camp, il est où? Non, mais il pleut encore. Mais c'est pas possible, ce jeu. Il m'en veut, ce jeu. Ça, ça suffit même pas à buter un sanglier du premier coup, genre. Allez, Dada, on y va. Feu de camp. Il était où le feu de camp? Ah, mais il est devant moi. Il a vraiment pas envie qu'on vienne le voir, l'ancien, là. Il est là-bas. Tu m'aideras, ah. Petite plante. Bien chez les gens, c'est bien, c'est du propre. Au secours ! Il est où ? Je suis enfermé ! T'es enfermé où ? Dans la maison comme un couillon ? Il y a quelqu'un ? Loué soit la toute mère.
J'ai cru que j'allais mourir là. Qu'est-ce qui s'est passé? Une bande de parias, voilà ce qui s'est passé. Ils sont entrés, ils ont volé mon seul rêveur et... Une bande de parias? Oui, je te dis. Ils ont enfoncé la porte. J'avais aucune chance. Ils ont pris le sol. Pourquoi des parias voleraient du sol rêveur? Mais parce que c'est le plus précieux de mes remèdes, bien sûr. Ils n'ont rien pris d'autre? Non, je te le dis. Et ils sont partis où? Dans la montagne, je crois. Tu peux les rattraper. En tout cas, te laisse pas. Oui, tu pourrais essayer. Oh là là! Les parias ont dû laisser des traces. Mon focus les repérera. Bon, quelqu'un a quitté cet endroit récemment, et de façon précipitée. Mmh. Coucou Kara! Ça va? Enfin, je te pose la question en sachant que, bah voilà, c'est un petit peu tristouné pour toi, là, ma pauvre. T'as tout mon bisou, t'as tous mes bisous, hein. Ah, super. Frappe-le encore! J'ai plus de flèches! Ils ont des ennuis. Sans déconner, ils ont des ennuis. Putain, il y a un petit veilleur. Oh putain. Oh putain. Putain. Là. Je suis tellement naze. Je commence à avoir la dalle. Des parias qui ont volé le sol rêveur. Ils ont besoin. Achève-le ! Fais-la blesser ! Loué soit la touche ! Merde là. Sorti d'où, punaise, je l'ai pas vu. Ah là 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 là. Et heureusement que je suis pas en mode difficile, hein, parce que sinon je vous raconterai pas, on ira nulle part. Oui.
Elle est où, saloperie d'arbre? Le décor, c'est pas fait pour t'aider. Putain. Quand on est nul, on est nul. Vite! Aide-moi! C'est un gars qui a merde sur le rêveur. Ils ont des ennuis. Mais sérieux? Petite merde. Eh ben... Nous te remercions. Si la... C'est le cas. Tu nous aides, et en plus... Les matriarches m'ont banni à la naissance. Alors c'est toi... Non. Maintenant je suis cherché. Pourquoi avoir volé le... Mais pour soigner nos blessés. Pour quelle autre raison? Les braves ne protègent plus personne, à ton avis. Mais tu sais, j'ai la flemme. Pour quelque... J'ai frappé un homme qui avait pris ma proie. C'était... Les autres ont volé, enfreint la loi, ou sont en... Vous avez malmené Joe. Il était trop occupé à brailler pour comprendre ce qui se passait. D'autres ont besoin de... C'est une question ou un ordre? Non, c'est... Je vois. Tiens. Je lui ferai comprendre. Eh bébé. Allez, on monte la côte. Oh putain, qu'est-ce qui m'appelle? Oh! Attendez 2 minutes.
Ah, me revoilà. Pousse-toi le chat. Non, c'est ma place. Voilà, bon, me revoilà. Psychodrame avec mon père, parce qu'il a pas reçu un truc que je lui ai envoyé et ça m'a été renvoyé parce qu'il y a eu un problème d'adresse. Psychodrame, insulte à tous les fonctionnaires de la création. Ah là 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 là. Juste parce que le truc est pas arrivé, c'est pas grave, il est dans ma boîte aux lettres, il m'a été renvoyé, je vais lui renvoyer et bien... Oh, c'est fatigant d'avoir des membres de la famille qui s'énervent, mais pour un rien. Un rien, c'est pas grave. Le truc, il est pas perdu. Il aurait été perdu, oui, j'aurais compris qu'il était énervé. Mais là, c'est, il est pas perdu. Il est chez moi, juste. Il va arriver avec un peu de retard. Putain. Psychodrame, ça hurle dans tous les sens. Pour un courrier qui est pas arrivé, qui est revenu chez moi. Que j'avais mis mon adresse dessus. Heureusement. Oh, le froid. C'est voilà fatigant. Le rêveur. Apporte-le à Fia à l'aube de la mer. Il y a des braves blessés qui en ont grand besoin. C'est, il est en train d'accord. De me. Là, j'ai raccroché. Sinon, il était en train de faire, mais quand je vous dis un psychodrame, c'est un psychodrame. Insulter toute la poste en long, en large, en travers, machin, que ça sert à rien que je lui renvoie parce que la poste, ils savent pas travailler. Voilà, ouais. Bon, il y a eu un bug, il y a eu un souci, c'est pas grave, je vais le renvoyer, et puis c'est tout, quoi. Enfin, ouais, on engueulait tous les fonctionnaires de la création. C'est pourtant la sans-mère, peut-être que si tu jugeais mon... Je n'ai pas besoin de... Mais finalement, bon, je m'en vais. Bref. Non, on peut peut-être faire un voyage rapide, parce que je sais qu'on peut le faire. Attends, c'est quoi ça? Non mais ça c'est la boîte de récompense remarquable. Alors attends. Et au niveau des quêtes. Il me rappelle, je vous relaisse.
Oh. Bon, me revoilà. Oh là là, mais du psychodrame. Mais du psychodrame. Faut savoir que mon père, il habite dans un village. Un petit village. Pendant des années, quand j'envoyais... Parce que c'est l'ancienne maison de ma grand-mère. Il a mis son... Il a récupéré. Il habite à la place de mamie. Hein, ce que me... Adieu, mamie. Pendant des années, je n'ai même jamais mis de numéro à la maison. Le nom de ma grand-mère et la rue suffisaient. C'est un petit village. Là, peut-être que c'était un nouveau facteur qui ne connaissait pas ou quoi que ce soit. Donc, le truc m'a été renvoyé. Mais voilà, c'est pas grave. Mais je vous jure, on a l'impression qu'il y avait quelqu'un qui était mort tellement c'était... Mais je vais vous épargner les insultes qu'il a dit à la poste et tout ça. Mais c'est pas grave, ça arrive. Oh putain. Je veux dire, c'est pas un document vital dont il a besoin là, maintenant, tout de suite, dans la seconde. Donc ça va. Il peut un peu se calmer et attendre 5 minutes. Je vais retourner, là je vais encore jouer un peu, puis je vais se tourner à la poste, lui envoyer... Et puis c'est tout. Attends, parler à Mira à la couronne de la mer, c'est où ça? Comme mission. Non, c'est là, c'est moins loin. Bah vous savez quoi, je vais sauvegarder, ça fait 2 heures qu'on joue et je vais arrêter et je vais aller lui renvoyer son machin parce que sinon ça va encore être... Je vais sauvegarder au feu de camp. Oui, la poste elle a été en partie privatisée, Wendy, mais tu sais, mon père, quand il a un problème que ça lui convient pas, c'est... Tout le monde il est des feignants, tout le monde il veut rien foutre, tout le monde il est désaccapable. Alors il suffit que ça soit un peu de la fonction publique pour qu'il s'en prenne à la fonction publique alors qu'il a travaillé toute sa vie dans la fonction publique. C'est l'hôpital qui se fout de la charité, hein, parce que voilà. Donc c'est pas la peine de chercher. Je vous raconte une anecdote, vous allez comprendre l'animal. Quand on avait 15 ans, il a loué un camion pour qu'on aille chercher sa moto en région parisienne. Parce qu'il voulait pas conduire sur le périph avec sa moto, donc voilà. Il nous dit, les filles, venez avec moi. Ok, donc on y va avec ma sœur. Hein. On sait pas où on va, il nous a juste dit on va récupérer la moto, ok. Nous, on a 15 ans, on conduit pas, on fait pas de conduite accompagnée, rien. Donc il prend le périph et tout ça, et il rate la sortie qu'il fallait au niveau du périph. Il commence à s'énerver, à engueuler toute la création, et il dit, moi, à ma sœur, c'est votre putain de faute si on a raté la sortie. Donc, moi et ma sœur, on savait pas où on allait, on savait qu'on allait chercher la moto, mais on savait pas où, il nous a pas dit où, et comment vous voulez qu'on devine à quelle sortie sur le périph' parisien? Mais c'était ma faute à moi et ma sœur s'il avait raté la sortie. Voilà, mon père, c'est ça. C'est tout le temps comme ça. Tout le temps. C'est jamais sa faute, c'est toujours la faute des autres qui sont des incompétents, des machins, des trucs. Faut pas chercher. Donc voilà, donc dès qu'il y a un truc qui va pas, c'est comme ça. Il te fait un psychodrame alors que... Alors, un peu. Qu'il soit énervé. Ah, j'aurais dû prendre la tyrolienne, j'ai été con. Je peux comprendre que ça l'énerve parce qu'en plus c'était en express, donc voilà. Bon. Ok. C'est relou, moi ça fait aussi plusieurs fois que j'ai des soucis avec la poste, donc je vais humblement leur faire remarquer. Voilà, bon. Maintenant, ça sert à rien de venir taper du poing sur la table, en leur limite, je vais vous tous vous défoncer la gueule, bande de... non mais vraiment, je vous passe les insultes qu'il a sorties, quoi, parce que franchement, c'est... Bref. Voilà, enfin... Voilà, tu vois, vous voyez, là, moi j'en fais une histoire alors qu'il n'y a pas d'histoire à faire, c'est juste s'énerver. Mais c'est tout le temps comme ça, quoi. C'est tout le temps comme ça. Tout le temps. Donc, il n'y a pas à tortiller. Moi, je vais retourner à la poste, envoyer le bousin. La poste, elle est pas loin de chez moi. Voilà.
Non mais la Poste, de toute façon, c'est censé être un service public, mais ils privatisent, ils suppriment les fonctionnaires, et enfin... Je veux dire, à un moment donné, c'est toujours pareil. Tu sais, quand tu supprimes le nombre de personnes pour faire une tâche, viens pas t'étonner qu'après elle soit mal faite ou mal machinée. Enfin, c'est QFD. Quand t'as besoin de 4 personnes pour faire du travail et que d'un coup t'en as plus que 2, bah oui, ça fera pas la même qualité que travail. Donc voilà, donc bon. On peut en débattre pendant des heures, hein. Oui, dans les villages, il y a plein de villages un peu isolés ou choses comme ça où le facteur ne passe plus tous les jours, contrairement à avant. Il passe, voilà quoi. Bon. Maintenant, j'ai envie de dire, on a le service public qu'on mérite parce qu'on vote pour des gens, on a mis au pouvoir des gens qui détruisent ce service public. Donc, à un moment donné... Ça doit être la couronne de la mer. Ah, pouvoir demander des nouvelles quéquettes. Certaines choses nous dépassent. Voilà. Sa tribu a été durement frappée. La fille est la marque de chercheuse. Les sentiers... Tu es Maréa ? Varlad... La capitale qu'ils est... Non, alors... Je peux me nettoyer... Ça va me fermer un truc... Donc il y a la... Oui, les Karja l'appellent le... Quel village abandonné? Il avait un nom, mais... Qu'est-ce qui s'est passé? La guerre. Les Nora ont... De nos jours... J'ai la flemme de lire tout ce qu'il y a. Jusqu'où s'étend... J'ai vu des... Quelques... Le feu... Les matriarches. La couronne de la mer marque la frontière des terres sacrées. Vous voyez souvent des étrangers? Oui, depuis... C'est plus... Non, mais quand je dis « on vote », c'est « on » général, hein. Tu sais bien que moi non plus... Je vote pas pour ces gens-là, mais... Les malheureux sont morts ou estropiés. Les machines sont incontrôlables. Ce bien cherché. J'aurais dû sortir de la vie. Toute mer. Où est-ce qu'il y a un feu? Bon, voilà. Donc moi, je vais vous laisser là. Il y aura de la caquette à faire plus tard. Je vais vous laisser là. Je vais aller régler ce problème, parce que sinon... Mal, mais j'ai gagné en expérience. Parce que sinon, c'est jamais fini. Non, mais j'ai pas d'attente à la poste. Il y a des bornes. Là, je vais y aller, c'est 2h30, il n'y aura personne. J'ai pas de problème dans ma poste, en fait, tu vois. C'est pas... moi, j'ai pas à me plaindre particulièrement. Alors, il y a des trucs, ouais, ça m'énerve un peu, mais bon, ils sont pas toujours responsables. Tu sais, c'est comme quand tu es au Pôle emploi, tu t'énerves contre ta conseillère, mais c'est pas sa faute si elle a 250 personnes à gérer non plus, tu vois, donc... Bon, je vais aller lui réexpédier le truc, et puis voilà, hein. Oh putain! Bon, je vous laisse, à puce! Oui!